Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes 100% automatique. Vous allez voir, vous allez être capable de retrouver très facilement deux cartes de deux spectateurs. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration et juste après les explications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je remercie d'avance tous ceux qui me soutiennent via Tuto Magie Premium, directement en souscrivant à la chaîne. Et pour les autres, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver également sur mon école de magie avec mon site tutomagie.com, la référence magie sur internet. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la démonstration de ce tour. Donc vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes. Et par la suite, vous allez positionner le jeu comme ceci sur la table et demander à deux spectateurs d'intervenir. Le premier, vous allez lui demander de couper à peu près un tiers du jeu, donc à peu près comme ceci. Et au second, de couper de ce même paquet à peu près à la moitié, hein, bon lui semble, à peu près comme ceci. Très bien. Ce dernier, vous allez lui demander de prendre connaissance de cette carte, la première carte que personne ne peut connaître. Donc je vous la montre, mais moi je ne la regarde pas. Très bien. Et une fois qu'il a vu, il les replace comme ceci et il peut mélanger le paquet. Voilà, comme ceci. Très bien. Par la suite, au premier spectateur, vous allez lui demander de récupérer ce paquet, de le mélanger, parce qu'on pourrait connaître la première carte, donc vraiment il mélange. Et quand tu veux, hein, quand il trouve que c'est bien mélangé, il prendra connaissance de la carte supérieure. Donc imaginons ici, je vous la montre, moi je ne la regarde pas. Très bien. Il la repositionne. Ensuite, le paquet, celui-ci, est repositionné par-dessus pour perdre tout, et celui-ci par-dessus, au moins on est sûr que les cartes soient bien perdues. Il est impossible pour le magicien à ce stade de retrouver les cartes. Pourtant, sans aucune indication, le magicien est capable, en prenant juste le paquet, et d'effeuiller les cartes vers lui juste d'un regard et d'une concentration, de pouvoir retrouver la carte du spectateur. Alors, on va laisser un petit instant. On va dire, ok, peut-être celle-ci et potentiellement celle-ci. Voilà, très bien. Le spectateur, voilà, a choisi, les deux spectateurs ont choisi deux cartes, une carte chacune. Le magicien sort deux cartes sans aucune indication, hein. Pourtant c'est impossible normalement. Et pourtant, ce sont bien les deux cartes choisies par nos spectateurs. On se retrouve pour l'explication de ce tour, donc c'est un tour totalement automatique, il va falloir faire une petite préparation avant de commencer. Vous allez sortir en fait et faire un arrangement de l'as au roi de la famille que vous voulez, donc pique, trèfle, carreau ou cœur. Moi ici j'ai choisi la famille de pique, comme ceci, donc vous faites ce petit arrangement ici, comme ceci, vous le retournez. Vous prenez 11 cartes quelconques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ces 11 cartes, vous les positionnez sur le dessus de votre arrangement et le tout, vous le mettez sur le reste du jeu et vous êtes prêt. Donc vous avez par là à peu près la suite, l'arrangement de l'as au roi à pique, comme ceci. Donc vous pouvez quand même étaler les cartes ici, pas en allant jusqu'au bout, mais vous êtes prêt. Vous posez le jeu sur la table comme ceci, vous demandez à un premier spectateur de couper à peu près un tiers du paquet. Donc il s'exécute à peu près, voilà, un tiers, et au second de couper la moitié du paquet restant. Comme ceci. Là, vous demandez donc si vous avez un seul spectateur ou sinon deux, à un premier de choisir l'un des deux paquets. S'il choisit celui-ci, ben vous lui demandez de prendre la carte, la première carte, de la mémoriser, donc sans, là, il en prend connaissance ici, puis de la replacer ici et de mélanger ce paquet pour perdre la carte. Par la suite, vous demandez au deuxième spectateur de prendre ce paquet là et de ne pas regarder immédiatement la carte puisqu'on pourrait la connaître, mais avant toute chose de mélanger les cartes comme ceci. Quand bon lui semble, vous lui demandez d'arrêter et il prendra connaissance de la carte ici par dessus qui est celle-ci. Une fois ça fait, vous demandez de récupérer le paquet du milieu, de le mélanger également. Donc c'est ça qui est très fort dans ce tour, c'est que tous les paquets sont mélangés à chaque fois, vous ne touchez absolument rien. Vous prenez ce paquet, vous lui demandez de le positionner par dessus celui-ci, perdre, et le celui-ci par-dessus à nouveau, alors qu'on a tout mélangé. Deux cartes ont été choisies par les spectateurs, ils ont coupé où ils ont voulu, etc. Vous, logiquement, pour le spectateur, vous n'avez aucune chance de retrouver ces deux cartes. Et pourtant, regardez bien comment vous allez faire pour retrouver les cartes, c'est très simple. Vous retournez le paquet vers vous, comme ceci, vous allez éventailler les cartes vers la fin. Quand vous allez arriver vers la fin, vous allez voir un regroupement de cartes à pique. Vous voyez, donc ici j'en ai le 8, le 9...
Si je regarde, j'en ai encore un petit peu ici. J'ai du 10, le valet, la dame, le roi. Et en fait, la carte, la première carte du spectateur, ce sera toujours la carte à pique qui a la plus faible valeur. Donc là, quand je regarde, je vois roi, dame, valet, 10, 9, 8. Donc je sais que la carte, une des cartes des spectateurs, est le 8 de pique. Et de là, pour retrouver la deuxième, il suffira de prendre la valeur de cette carte, donc 8. Donc je la décale en disant, voilà, la première carte. Je prends la valeur de cette carte, 8, et je rajoute 10, ça fait 18. Et à partir de la phase du jeu, je compte 18 cartes. La 18e sera la seconde carte. Regardez bien, si on fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On est bien sur la deuxième carte. Vous pouvez sortir les deux cartes comme ceci. Ce sont bien les deux cartes choisies par le spectateur. Et ça fonctionne à tous les coups de la même façon. Donc voilà, essayez, vous allez voir, prenez le jeu de cartes, faites votre montage et testez vous-même. Vous verrez que ça fonctionne à chaque fois. Voilà, c'était un petit tour totalement automatique, très facile à faire, que vous pourrez réaliser immédiatement après avoir pris connaissance de cette vidéo. Travaillez un petit peu et vous verrez que vous pourrez impressionner vos amis très facilement, sans aucune manipulation, sans qu'ils puissent comprendre comment vous faites pour retrouver à chaque fois les deux cartes. Voilà.